Côte d'Ivoire est de nouveau au travail. Bien, la Côte d'Ivoire est de nouveau au travail et bien évidemment, cela rassure, mesdames et messieurs. Je dirais même que c'est une sorte d'assurance vie pour les générations futures. En tout cas, ce matin, j'ai émergé et quand je me suis mis en route pour la maison de la télévision, j'ai trouvé la circulation bien entamée et je dois dire que c'est bon, c'est rassurant. La Côte d'Ivoire est au travail et c'est tant mieux. J'ai donc toutes les bonnes raisons de vous dire bonjour, amis téléspectateurs, et de vous proposer de démarrer cette émission avec la rubrique la plus tonique de Matin Bonheur. Vous êtes les bienvenus et c'est le coach Conan qui est prêt. Nous avons toutes les bonnes raisons de lui dire que nous aussi, nous sommes prêts. Alors 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti pour la gym tonique. Allez, on se met en position. Bonjour et bon réveil à vous. Alors ce matin, je suis très content de vous retrouver une fois de plus à l'antenne. Je vais vous proposer une activité beaucoup plus relaxe pour notre bien-être. Alors, on n'est pas dans la recherche de performance, c'est plutôt trouver des moyens pour dénouer au niveau musculaire et assouplir au niveau articulaire. Sur ce, je vous invite à prendre un tapis ou une grande serviette et de ce pas-là, on va se mettre à genoux et vous faites comme moi. Alors, vous mettez bien sur les genoux. J'insiste bien sur l'extension au niveau du coude de pied. Et là, au niveau de la cheville, en extension, vous vous asseyez complètement et vous relâchez les épaules. Relâchez les épaules. Et là, on va regarder tous sur une épaule. J'envoie le menton sur l'épaule. Relâchez. Vous allez regarder sur l'autre épaule. Vous revenez. Alors, on va faire la même chose. Cette fois-ci, je vais pencher la tête sur le côté. On revient dans l'axe. Vous penchez la tête de l'autre côté. Alors, sur cet exercice, très important, on étire au niveau des muscles du cou, l'épaule qui retombe et la main. Tirez vers le bas. On revient. Et là, pour soulager l'extension au niveau de la cheville, vous revenez en position simplement à genoux. En position assise, on exerce une pression sur le talon et on étire davantage sur le muscle fléchisseur, la cheville. Alors, on refait le même mouvement. Cette fois-ci, on va accentuer en pressant sur le menton. Là, en regardant sur mon épaule, avec l'autre main, je vais presser. Hop, je relâche. Je vais regarder sur l'autre épaule et avec la main, je viens presser sur mon menton. Je relâche. Je vais incliner sur le côté et avec la main, je pousse. Je relâche, j'incline de l'autre côté avec la main, je pousse, je relâche. Attention, je reviens sur le côté, cette fois-ci avec la main, je vais tirer. Je relâche, j'incline sur l'autre côté, l'épaule droite et avec la main droite, je tire. Je relâche et attention, toujours au niveau des muscles fléchisseurs des genoux, cheville, hop, je relâche. Je relâche au niveau des épaules et cette fois-ci, je vais lever la main gauche, vers le ciel, alors je lève la main gauche vers le ciel et la main droite vers l'arrière. Je vais basculer et poser la main sur le talon. Main droite, talon droit. Et là, je tire vers le plafond.
dans un premier temps, le bassin est complètement en extension. Je relâche. Là, je fléchis le bassin. Et attention, là, je monte le bassin en extension. Et pour la seconde fois, on va accentuer le mouvement. On va basculer vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Vous tirez, vous sortez bien le bassin. Et hop, on fléchit au niveau du bassin. Et là, je baisse la main. Et je laisse tomber les coudes. Je fais la même chose de l'autre côté. La main droite vers le ciel. Et la main gauche vers l'arrière. Sur le talon gauche. Et là, je tire le bassin en extension. Je fléchis le bassin. Cette fois-ci, je remonte en appui sur le talon gauche, main droite. Et là, vous allez chercher loin derrière. Je reviens toujours le bassin fléchi. Et je pose. Et je détends. Au niveau des épaules. Je détends. Cette fois-ci, je vais revenir. Cheville arrière. Fléchi. Et la jambe de devant, juste posée. Là, à genoux. Complètement posé. J'ai mon bras à l'avant. Et mes gauches à l'avant. La main droite. Je relâche complètement. Je regarde dans la paume gauche et le genou droit fléchi vers l'avant. Alors, je vais suivre la main droite du regard et je vais lever la main droite. Lever, lever, lever. Je suis la main droite du regard et je regarde dans la paume droite. Je tire et je relaxe. Je détends. Je détends. Je ramène la main droite par le bas. Et je baisse la main gauche. Dans le même prolongement, je ne déplace pas la jambe arrière. Je vais poser les fesses sur le talon arrière. Cheville toujours en extension. Alors, ce qui se passe, la jambe à l'avant. Le genou complètement tendu. Et là, avec la main gauche, je vais chercher la pointe de pied. Et alors, là-dessus, il faut avoir le dos bien arrondi. Et si vous êtes suffisamment souple, vous portez le front contre le genou. Ou sinon, essayez de vous rapprocher le plus près possible. Moi, je suis souple. Je le fais. Vous y restez 8 secondes. Et hop, on relâche. Je prends appui sur la jambe dernière, en restant toujours dans le même mouvement, le bassin, je vais basculer vers l'avant, oh. Toujours en appui sur le genou droit, pour étirer la face interne de la cuisse, avancer, le bassin vers l'avant, relâchez complètement, relâchez le bras, complètement, relâchez, relâchez, on maintient cette position 8 secondes, hop, oh. On revient, à genoux. Et vous changez les jambes. Je fléchis l'autre jambe à l'avant. Genou gauche, le bras droit, et je regarde dans ma paume. Je tire. Je suis la paume gauche du regard. Depuis le bas, je lève, je suis la paume. Et là, et je me tire. Vous voyez, mes deux bras sont quasiment alignés au niveau des épaules. Vous tirez là-dessus, sur les extrémités, vous maintenez, et hop, on suit toujours la main, tu reviens, on laisse tomber, et on relâche. La jambe fléchie en arrière, on va s'asseoir sur la jambe de derrière, fléchie, je vais asseoir sur le talon, alors la jambe avant qui s'allonge et se tend complètement. Et le bras opposé, jambe gauche, main droite,
je vais chercher là, la pointe de pied, et je vais rapprocher la poitrine le plus près possible du genou. Si vous pouvez, vous envoyez complètement le front contre le genou. Et vous y restez pendant 8 secondes. Hop, vous relâchez, je m'appuie sur la jambe de derrière, hop, je reviens, sans toutefois déplacer. Vous engagez le bassin vers l'avant, toujours en appui. Alors, sur ce mouvement, on a une hyper-extension dans l'aine, au niveau des muscles internes de la cuisse, et là, sur le muscle arrière, au niveau des ischio-jambiers, vous tirez, relâchez complètement les épaules, et vous revenez. Cette fois-ci, en restant dans le même mouvement, vous allez basculer sur le côté. Toujours genou gauche en avant. Basculer sur le côté. Alors, je vais bien insister sur l'angle entre les deux cuisses. Le même mouvement, on peut le faire jambes tendues. Aujourd'hui, on le fait genou fléchi. Regardez l'angle entre les deux cuisses. 90 degrés minimum. Une fois qu'on y est, les deux mains, hop, au-delà du genou, et on va écraser le genou avant avec la poitrine. Dos rond, si vous pouvez, vous posez entièrement l'avant-bras et toujours le front contre le genou, vous relâchez. Oui, c'est bon. On y est. 10 et 8. Alors, vous gardez la même posture. Hop. Toujours les genoux en contact avec le sol. La jambe arrière. Bras droit. Cheville droite. Et le mouvement, on va le complexifier. Bras gauche. Cheville gauche. On y reste. Alors, là-dessus, vous relaxez. Vous relâchez au niveau du ventre. Le plus important, c'est de le faire sans aucune contraction. Relâchez-vous. Contrôlez la respiration. Relâchez. Et hop, on relâche. On déverrouille. Le même mouvement de l'autre côté, sur le principe. Je change en étant toujours assis. Là. Sur l'autre fesse, j'insiste toujours, genou au sol, et vous respectez l'angle entre les deux cuisses. 90 degrés minimum. Les deux mains au niveau du genou. Et comme au commencement, poitrine, genou, vous écrasez, le dos bien arrondi, vous relâchez. Alors, super important, au niveau lombaire, et surtout au niveau des muscles fessiers, que nous sollicitons à chaque fois à la marche, et aussi à la course. Là, dos rond, complètement relâché. Et hop, 8 secondes, vous remontez. Voilà, hein. C'est pratique, c'est pas évident, mais il faut avoir une bonne dose de volonté et puis se dire que ça fait du bien. Ça fait du bien et j'espère que vous êtes mis, hein. Il faut le faire, parce que le sport, c'est bon. Le sport libère. Alors, à 6h26, Gabrielle Zanni nous a rejoint ici en studio. Elle est encore en train de noter un certain nombre de choses. Alors, ne t'en fais pas, hein. Comment ça va, Gabrielle ? Ça va bien. Ça va très bien. Oui. D'accord. Je pense qu'on sera à toi dans moins de 2 minutes. Oui, c'est ça. Ouais, dans moins de 2 minutes, on va dire 3. Peut-être 4. Oui, 3 minutes. Donc 3 minutes exactement. Oui, à 30. L'actualité, c'est quoi ? C'est quoi ? On sera encore triste ? Non, aujourd'hui, l'actualité, nous parlerons peut-être de la visite du président de la République. Ah, d'accord. Voilà, dans le district d'Estavanne. Et oui. Puis, bon, on va faire un peu un tour de l'actualité dans le monde avec le président. L'ex-président tchadien qui a été oui, voilà, oui, au Sénégal. Arrêté, Hissène Habré, voilà. Il est en garde à vue. Hein. Oui, il est en garde à vue. C'est cela. Donc.
C'est cela. On en saura un peu plus tout à l'heure. Le temps pour nous de nous situer au niveau de la météo. La météo, c'est ici et maintenant. Attention, attention, elle est de retour, la princesse du Parango, Awa Kumor, avec son nouvel album intitulé Mais Awa. Awa, c'est 10 titres de qualité tirés du terroir profond. Mais Awa, un album à avoir absolument. Contact 08 314 50 78 09 83 12 23.